ebi nyo sobo be yawe Anisi ya yawe zaya moto te ou Na komi kon kompran vraiment. Waouh, c'est super. Floron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Floron musical est toujours à la page. Recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page. Recherchant les infos à la source. Salut à tous. Et bienvenue à cette émission de musique Flairon Musical. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. C'est un plaisir de vous présenter une nouvelle émission sur Pactol Télévision. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. C'est vrai, vous êtes aux États-Unis, en France, en Allemagne, je ne sais pas moi, en Asie. C'est vraiment un plaisir. Merci à Monsieur Lolo Moutima, patron de Pactol Télévision, qui veut à ce que cette émission vous parvienne de la plus belle des façons, dans les meilleures conditions. Merci à Daniel Kalimi, le réalisateur de cette émission, Rosette Munganga qui gère les caméras qui nous entourent. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter un chantre de l'éternel. Il a fait le tour de l'Afrique du Sud récemment. Lui, il est de Lubumbashi et sa chanson s'effectue dans différentes manifestations. Il est parmi les artistes les plus sollicités ici à Lubumbashi. Si vous nous regardez en France, nous sommes à Lubumbashi et nous vous proposons des artistes qui font du bon travail ici chez nous. Alors aujourd'hui, nous vous présentons le frère Alkambumba. C'est lui l'auteur, compositeur de la fameuse chanson Fandanayo. En tout cas, beaucoup de plaisir de l'avoir dans cette émission Flairon Musical depuis Lubumbashi. Pour mieux vous présenter l'artiste, suivez ceci. Encore.
avec nous déjà le frère Alkambumba. Bienvenue, salut. Merci, merci beaucoup pour parler. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir, hein. Ça fait beaucoup de temps. Vous allez bien? Oui, ça va, le Seigneur nous fait grâce. Et on est aussi très heureux de retrouver Fleuron Musical avec l'homme de suspense. Donc nous sommes très heureux et nous bénissons l'Éternel pour ça. Donc je bénis tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont au Congo et ceux-là qui sont en France, et aux États-Unis, partout dans le monde, ouais. Qui nous aiment et qui ne cessent de prier pour nous, nous soutenir matériellement, financièrement, moralement. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni aussi Papa Daniel Kalimi. Ouais. Toujours avec nous. Hein. Toujours avec nous et la sœur Rosette Mugal, donc Elengi Fort. Nous sommes vraiment très heureux, comme je l'ai dit, de vous rencontrer encore une fois de plus. Ça fait quand même un bout de temps. Il y a des téléspectateurs qui suivent des chansons, tout ça, qui ne connaissent pas le frère Alka. Qui est-il? Merci beaucoup, Paroli. Le frère Alka, c'est un serviteur de Dieu, et, un chrétien converti, baptisé, de l'eau et du Saint-Esprit. Et, je suis né au Congo, je suis congolais, précisément à Likasi. Je suis serviteur de l'Éternel, donc j'ai béni, en fait je chante, je bénis, édifie le monde entier par le ministère de louange et adoration. Bien que le Seigneur m'a appelé à beaucoup de choses, mais pour le moment c'est sur ça que j'exerce plus. Et je suis conférencier, je suis prédicateur, je suis une personne publique, voilà. Donc voilà le frère Alkambumba. Donc, comment le frère Alka peut nous retracer sa petite histoire? En fait, le frère Alkambumba, c'est un artiste musicien qui a commencé depuis il y a très longtemps. Et nous avons commencé dans la musique, mais qui n'était pas vraiment la musique chrétienne. Et c'était la musique de l'argent, comme on l'appelle. En fait, pas de l'argent, mais populaire, comme on le dit, parce que notre musique aussi est populaire. Dans la manière au fond d'Anaïzobeta, donc c'est populaire. Donc c'est la musique profane, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Alors on a commencé, c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ça doit être en 1995. C'est là que nous avons commencé cette musique-là. On était en train de faire le playback et on mettait la musique quand nos frères sortaient à une musique et nous prenons, on essaie de mettre de la chorégraphie là-dessus et puis on danse. Et puis c'était comme ça. Et puis nous sommes retrouvés dans l'église. Et nous sommes retrouvés dans l'église. C'était le 26 décembre 1999 que nous sommes retrouvés. J'étais en train d'accompagner mes amis, parce qu'on avait eu un show le 25, dans le jour de Noël, le 25 de décembre. Et quand je les ramenais chez eux, et on a trouvé une église qui était en train de répéter, comme on aimait tellement la musique, ils y répétaient en plein air. Alors on était intéressés, nous sommes arrivés là-bas. Et après, le batteur qui jouait ne jouait pas aussi mieux. Alors comme il savait que moi, je savais aussi très bien jouer à la batterie, et c'est comme ça que mes amis ont commencé à pousser jusqu'à ce que le conducteur a vu et il a demandé, on lui a dit que non, nous on pouvait faire mieux que ça. Alors il a accepté que je joue d'abord pour qu'il m'entende. Je joue à la batterie, c'était waouh, et ils m'ont retenu. Et depuis lors, c'est fini, je suis resté là-bas depuis le 26 décembre. C'était à vers 11h, je suis reparti là-bas à 20h. Et le lendemain, j'étais là à 8h et jusqu'à 20h. L'autre lendemain, je suis resté dans l'église, bien que je n'étais pas encore converti. Mais j'étais resté quand même dans l'église parce que c'est la musique qui m'attirait. Et parce que je suis dans l'église, le pasteur prêchait. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience de ma vie, conscience de ce que je dois faire. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de donner directement ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, on m'a baptisé et j'ai suivi des enseignements et tout ça. Et le Seigneur m'a fait grâce dans un culte comme ça, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et c'était parti. Je suis resté dans l'église, j'ai commencé à fuir mes amis. Je n'étais plus l'ancienne personne qu'ils connaissaient. Donc je fuyais jusqu'à ce que je suis resté dans la musique. Il y a le premier groupe que j'ai joué, c'était le groupe de couple Mwamba.
le couple Mamba Alekasi, c'est là que j'étais batteur. Et puis après, quand je me suis déplacé pour le Lubumbashi, pour venir ici à Lubumbashi, j'ai intégré le groupe de la sœur Deborah Mwika, qui est derrière ma sœur. Donc on a travaillé ensemble avec ma sœur Deborah Mwika, on a joué, et jusqu'à ce que quand le Seigneur a permis que la sœur Deborah aille s'installer en Afrique du Sud, on était parti, comme moi, mon appel n'était pas en Afrique du Sud, je suis rentré, et quand je suis rentré, c'est comme ça que le Seigneur a commencé avec moi, tout ce que vous êtes en train de voir. J'ai maintenant un groupe, et j'ai un ministère, et je suis en train de servir le Seigneur comme ça, voilà. Groupe, ministère, la même chose? Oui, donc mon groupe, c'est dans mon ministère. Le ministère englobe tout ce que je fais. Mon ministère est en train d'englober tout ce que je fais parce qu'il y a différentes branches dans mon ministère. Il y a le social, il y a la louange et l'adoration, il y a le pastoral, il y a tout ça. C'est vraiment dans mon ministère. Et qui est d'ailleurs Manaïm Ministries. Mm-hmm. Manaïm Ministries, donc c'est ça le nom de mon ministère. Donc ce n'est pas une église, mais il y a des ONG là-dedans. Il y a tout ça, ça fait partie de Manaïm. Donc on se dit bien. Le Seigneur nous fait grâce. Nous allons écouter quelque chose de vous pour quand même confirmer que c'est le frère Al Kambumba dans Fleuron Musical. Wow. Nous disons merci à Monsieur Lolo Mutima qui nous regarde à l'instant. Alors, je vais faire ce chant. C'est un chant qui se trouve dans mon premier album et qui n'a pas... En fait, dans le premier album, beaucoup de titres n'ont pas été trop de coup à la découverte, mais c'est des chants, waouh! Si vous pouvez les chercher, vous serez bénis. D'ailleurs, c'est sur YouTube, c'est sur karaoké. Donc, mon YouTube, c'est Al Kambumba. Vous pouvez aussi vous abonner et vous allez trouver toute la musique là-bas. Je fais juste quelque chose. Yahweh, Yozali, Espérance, Abomo, Inanga, Mobimba. Yahweh na yo nandimi na kosimba bilaka na nga mobimba Yahweh yo zali ya espérance abomoi na nga mobimba Yahweh na yo nandimi na kosimba bilaka na nga mobimba yo telemaka moto asuka na bomoi na nga Na yebio Yahweh, na yebio Yesu, na yebio Yahweh, na yebio Yesu, na yebio Yahweh, na yebio Yesu, na yebio Yahweh. Naye biyo Yesu Yonde yokufa liwa ya soni yawe Naye biyo ya Obate la kanga na futa kayo elokote Yesu naye biyo ya Yonde longo la nga soni soni alibota Soni ya naye biyo ya Wow. Naye biyo En tout cas, super, wow. Merveilleux. Merci. Vous êtes auteur d'un album et un autre qui est en train de venir. De venir, oui. On peut connaître comment vous jugez aujourd'hui cet album qui est déjà sorti sur la scène musicale. Comment vous le jugez, la consommation? Je dirais même que c'est au-delà de mes attentes par rapport à tout ce que je pouvais penser par rapport à cet album-là. Le Seigneur m'a surpris. C'est un album qui marche. Donc ce qui est encore très, très bénéfique, c'est que les gens qui ont découvert Fanda Nayo, ils ont été curieux de savoir si c'était un coup d'hasard ou c'est... Fanda Nayo dans votre premier album? Fanda Nayo n'est pas dans mon premier album. Fanda Nayo, je l'ai joué directement dans le concert. Et directement, ça a poussé les restes.
Et les gens qui ont été bénis par Fandanayo, ils essaient de chercher et comprendre ce qu'on est capable de faire. C'était un coup d'hasard, comme je venais de le dire, où c'était nous sommes vraiment, vraiment dans la chose. Et au-delà de la grâce que le Seigneur nous a faite, le Seigneur nous a donné aussi la capacité de savoir ce que nous sommes en train de faire. Et ce qui a fait que l'album est en train de marcher comme pas possible. Les gens veulent savoir les restes des chansons, parce qu'ils nous aiment. Non seulement ils aiment Fandanayo, mais ils nous aiment, ils nous portent vraiment à cœur et ils veulent savoir et être bénis aussi par cette nouvelle onction, cette nouvelle onction qui vient d'apparaître sur, dans le monde entier, sur le monde musical. Donc c'est pour nous une bénédiction et je vous dis que ça marche très très bien. On parle quand même l'affaire Fandanayo. Oui. Vous en êtes, je ne sais pas moi, auteur-compositeur de la chanson d'abord. Oui. Fandanayo, c'est ma chanson. Je le dis toujours sur toutes les chaînes que je passe. Fandanayo, c'est ma chanson. Seulement dans Fandanayo. Auteur-compositeur de la chanson. Auteur-compositeur de la chanson Al Kambumba. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Seulement dans Fandanayo, il y a un refrain qui est populaire. Ya Fandanayo, Fandanayo. C'est le refrain seulement qui est populaire. Juste ce refrain-là. À qui appartient ce refrain? Le refrain, c'est pour le frère Gellor. Mm-hmm. Non, le frère Gloire. Waouh. Mm-hmm. C'est le frère Gloire, mais seulement, moi je l'ai entendu aussi comme tout le monde, c'est en 16 bits, c'était joué en 16 bits. Moi je l'ai entendu chez le frère Emmanuel Moussoke, c'est là que j'ai entendu juste ici à Lubumbashi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était avec Prophète Arcel, ouais, Prophète Arcel dans son concert, c'est là que j'avais entendu ça, et puis c'est fini. Et puis après, moi j'étais en train de préparer autre chose. C'est comme ça que le Seigneur, le Saint-Esprit m'inspirera, me donnera cette chanson-là pour me dire non, fais cette chanson et moi je vais te donner les restes. Et quand je me suis concentré, et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a donné Bakiti Abokonzina, yo Yesu Eliki Magazi, Nanya Kolongola, yo, Yangondezo, ça a déjà Nzemboana. Vous voyez, donc le Seigneur m'a donné ça et puis j'ai eu le style, les accords, tout, c'est différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas un coup d'hasard, je l'ai toujours dit, lorsque le Saint-Esprit veut vous enseigner, il ne vous enseigne que sur les bagages que vous avez. C'est comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle on nous demande de beaucoup méditer la parole de Dieu, parce que lorsque le Saint-Esprit veut nous parler, il nous parle sur le bagage que nous avons. Donc c'est comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler sur les choses que tu ne maîtrises pas. Non, il doit d'abord trouver un bagage. Et sur ça, c'est comme ça que l'unique éthiopienne, quand il était en train de lire, il y a l'apôtre qui lui a demandé, est-ce que tu comprends au moins ce que tu lis? Il a dit, bon, comment je veux comprendre ces choses s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Vous voyez, c'est comme ça. Donc quand on se retrouve face à la parole, on peut lire, mais c'est comme si on lisait un livre simple. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit vous révèle, vous donne le réma sur ce que vous lisez, et directement ça monte, ça devient autre chose. Ce qui fait que sur les bagages que je possède, parce que pour vous dire que ce n'était pas un coup d'hasard, sur le bagage que je possède, le Saint-Esprit est venu, il m'a enseigné, il m'a inspiré, et voilà. Pff. Et aujourd'hui, la chanson qui est beaucoup plus jouée, c'est celle du frère Al Kambumba, même sur Internet. Mais il y a quand même des Fandanayo, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait la force de votre chanson par rapport à celle des autres. D'abord, je dirais... Dont l'intitulé est toujours Fandanayo. Ouais. Le problème, c'est que la plupart de ceux-là qui jouent Fandanayo sur Internet, ils jouent mon Fandanayo, donc ma chanson. En fait, c'est comme ça. Ils jouent ma chanson, ils interprètent Kiti Abokonzinayo, tout. Vous trouvez là, les instrumentales. Donc la personne qui a mis Kiti Abokonzinayo, c'est moi. Tout ça, c'est vous. C'est moi. Ouais. C'est moi qui ai arrangé. Si vous regardez les accords là, vous mettez les accords avec les accords de pasteur, du frère Emmanuel et tout ça, vous allez trouver que les accords sont différents. Les accords ne sont pas les mêmes. Les accords sont différents. Mmh. Moi, j'ai travaillé sur mes accords. Question que on chante la même façon, mais les accords sont différents. Mmh. Ouais, les accords sont différents. C'est automatiquement une autre chose. Donc, je crois que on a tous une idée sur la chose. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, Al Kambumba et Mbumba Alka, c'est deux personnes différentes. Mmh. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mmh. Ouais. C'est Al Kambumba et Mbumba Alka, c'est deux personnes différentes. Ce qui fait que déjà le fait que et les accords
et tout, tout est différent, ça, ça fait déjà une autre chanson. C'est déjà une autre chanson. Ce n'est pas la chanson que vous connaissez. Et... Je vais vous poser une question, oui. Frère Alka. Y a-t-il une différence quand je prends la chanson Fanda Nayo? Ok. Donc le message, la thématique Fanda Nayo, je prends également la thématique Oumela. Ok. C'est la même chose? Quelqu'un qui chante Fanda Nayo, et quelqu'un qui chante Oumela, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Ouais. C'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je martèle trop sur le trône de Dieu. Je martèle trop sur la capacité de ce trône-là. Je martèle trop sur l'effet que ce trône-là est vraiment éternel. Vous voyez, j'essaie un peu de canaliser mon message dans ce sens-là. Vous voyez. Et dans Oumela, je ne sais pas, c'est que eux, peut-être que s'ils étaient là, ils pouvaient aussi nous expliquer sur quoi eux ils martèlent et sur quoi eux ils visent plus. Parce que vous écoutez quand même. J'arrive aussi d'écouter. J'écoute toute la musique. Et eux martèlent quoi? Dans leur Oumela, dans leur Fanda. Je ne sais pas l'esprit qui les a animés. Raison pour laquelle je voulais finir quand vous m'avez posé cette question, à vous dire que je ne sais pas ce qui fait que c'est Fanda Nayo, mon Fanda Nayo qui a eu beaucoup d'ampleur. Peut-être parce que le Seigneur a trouvé l'esprit qui accompagne cette chanson, c'est l'esprit de valoriser le trône de Dieu, le royaume de Dieu. Ce n'est pas un esprit de... On ne chante pas juste pour chanter, mais notre souci c'était de faire valoir le trône de Dieu dans le royaume de Dieu, remettre le trône de Dieu à sa juste valeur. Voilà, c'est même ça le problème. Dans la musique que nous sommes en train de faire, et surtout la musique chrétienne, c'est qui impacte plus... l'esprit avec lequel vous êtes animé pour faire cette chanson ou cette musique-là. Voilà, c'est comme ça. Et c'est par rapport, parce que Dieu, on ne peut pas le tromper, on ne peut pas le mentir. C'est par rapport à cet esprit-là que quand le Seigneur sonde, il trouve que non, c'est juste et il promouvoit. C'est comme ça. C'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la chanson Fanda Nayo qui a façonné le frère Alka? Elle est venue aussi accomplir sa part. Elle est venue aussi accomplir sa part. Mais seulement, on n'a pas commencé avec Fanda Nayo. Vous êtes, mais on vous a connu à travers Fanda Nayo. Vous ne m'avez pas connu à travers Fanda Nayo. Ouais. Ouais. Vous ne m'avez pas connu à travers Fanda Nayo. Et la plupart des gens que je croise, ils m'ont connu avant d'abord par « Je suis en colère ». Je suis en colère, déconnexion, déconnexion. Je suis en colère au nom de Jésus. La telemina sengimoto, le feu de vos rangs. Et katabasinga ya rezo ya satana. Donc la plupart m'ont connu parce que le message était très fort. Asi si mandana yo molili esili bima. To moni pasi, to lati pasi, to lié pasi. Et pour ton projet en zambé zali, ce montant de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Donc le message était très fort. Alors c'est au travers de cette chanson-là que les portes ont été ouvertes, que le cœur de certaines, les portes de certains cœurs m'ont été ouvertes. Alors au travers de cette chanson-là, j'ai eu à croiser aussi beaucoup de gens. Et Fanda Nayo est venu juste marteler, vous voyez. Est venu juste marteler, ouvrir encore d'autres portes. Et je suis sûr que l'œuvre qui est en train de venir va encore confirmer, ouvrir encore d'autres portes. Et l'œuvre qui viendra encore, ouvrira encore d'autres portes. Donc chaque saison, avec chaque message et sur son message et sa façon de faire le show. Toujours Fanda Nayo, votre chanson bat le record sur YouTube, je peux le dire, avec beaucoup de vues. Certes, il y a toujours certaines langues qui disent que vous avez boosté les vues, tout ça, tout ça. Mais quelles sont vos relations maintenant avec certains artistes qui ont chanté des mélodies telles que Fanda Nayo, entre autres le frère Gloire de Kinshasa, le prophète Axel de Lubumbashi qui a chanté également, voire même le frère Daniel Yanné. Merci beaucoup. C'est vrai, ça arrive toujours quand nous chantons tous... Un même cantique, le vôtre prend un peu de l'ampleur, ça peut faire que et ça la moi pas si d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous savez, je sais pas comment le dire, mais seulement moi d'abord, quand nous avons commencé à faire tout ce que nous sommes en train de faire, on le faisait pas en visant que ça nous soyons comme nous sommes devenus. Non. On le faisait d'abord en visant la gloire de Dieu. Ça, c'est sûr et certain.
Donc on le faisait d'abord pour que même si on aura seulement une seule personne qui peut écouter, mais que cette personne-là soit édifiée. Et si c'est seulement Dieu qui écoutera cette chanson, que lui seul soit édifié, que Dieu se sente édifié, se dit encore, je suis fier de ces gens ici, ils m'ont vraiment béni. Vous voyez. Donc c'était ça. Et ça s'est coïncidé que la volonté, où nous avons touché le cœur de Dieu, comme on dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et le Seigneur nous a rendu, il a fait ce qu'il a fait. Et par rapport aux autres réactions, moi je suis en bon terme avec tous les artistes. Je suis vraiment en bon terme avec tous les artistes, que ce soit le prophète Hassel, c'est vraiment un frère pour moi, que ce soit le frère Gloire, d'ailleurs lui, c'est lui-même qui m'avait appelé. Je ne connaissais même pas, moi je savais que c'était le frère Emmanuel, alors que ça venait du frère Gloire. Et il m'a appelé, on a échangé avec lui, quand je lui pensais que je vivais à Kin. Et quand il m'a posé des questions, je lui ai montré, il m'a dit waouh, et il était désolé par rapport à ce que le frère Emmanuel avait fait, parce que lui, ils sont vraiment proches et tout ça. Donc par rapport à Daniel Lionel, c'est vraiment un ami, c'est d'abord un ami et un frère à moi. Donc on n'a pas de problème, on est d'ailleurs sur une même affiche de son concert à Likasi. Donc on est vraiment en bon terme, même hier la nuit on a parlé, on parle, on est vraiment en bon terme. À moins qu'il y ait quelque chose que moi je ne connais pas, mais pour ce que je sache, c'est qu'on est vraiment en bon terme avec les artistes, et que ce soit nos artistes de Kinshasa, et les artistes d'ici, les artistes de partout. J'ai été en Afrique du Sud, très bien reçu. Donc on est comme ça, il faut accepter. Hein. Parfois, il faut c'est accepter. C'est grâce à Fanda Nayo que vous voyagez? Oui, c'est grâce à Fanda Nayo que... Et c'est grâce à Fanda Nayo que vous avez des sollicitations. L'artiste, c'est seulement une carrière qui ne peut pas se faire avec une chanson. Non, des connexions existaient. Oui, c'est ce que je dis. Des connexions m'ont fait entrer aussi dans des maisons où Fanda Nayo ne m'avait pas entré, parce que Fanda Nayo n'existait pas. C'est ce que je venais de vous dire. À chaque saison, son message, ses histoires, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que ce n'est pas que parce que Fanda Nayo existe que des connexions n'existent plus. Des connexions sont là, et quand je preste avec des connexions, je bénis aussi beaucoup de gens au travers des connexions. C'est que il y a le répertoire, Dieu vient de gonfler le répertoire avec de bonnes choses, ce qui fait que on est vraiment bénis. Donc grâce à Fanda Nayo, il y a les portes internationales qui nous ont ouvertes. Et un artiste peut... Il peut gagner toute sa vie hein, avec une chanson. Ça, je vous signale. Un artiste peut gagner toute sa vie avec une chanson, mais une carrière ne se fait pas avec une chanson. Ouais. Mais on peut gagner toute sa vie avec une chanson. Parce que quand je livre des concerts, je ne chante pas seulement Fanda Nayo pendant des heures du temps. Vous voyez, il y a plein mais de chansons. Mais c'est à travers Fanda Nayo. Oui, c'est toujours comme ça, même dans une même famille. Même si vous allez chanter des connexions, même si... on vous sollicite sur base de Fanda Nayo. C'est ça, dans une famille, vous pouvez être à 5, mais vous tous, vous avez même des jumeaux, ils n'ont pas la même vie. Donc c'est comme ça, chaque chanson a sa grâce, chaque chanson a sa façon de faire, et raison pour laquelle même le message se diffère. Donc c'est comme ça. Donc... C'est comme ça. Je connais pas mal des artistes internationaux qu'on les a connus au travers d'une chanson. Et ils ont fait le tour du monde au travers d'une chanson. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Donc, je suis en train de faire déjà le tour du monde juste avec une chanson. Donc, le Seigneur est capable de tout. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dire de vos activités musicales? C'est vrai, vous avez sorti Fanda Nayo, qui est déjà en train d'être accepté un peu partout. Oui. Des chansons, qu'est-ce que j'ai dit, la chanson à être interprétée dans des diverses activités plutôt. Quelles sont vos visées pour le moment? Nos activités? Ouais. Nos activités, bon, on est là. Mon problème, c'est que je ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire. C'est même ça le problème avec moi. C'est comme ça que vous ne me trouvez pas en train de faire trop des histoires, non, moi je ne suis pas agité. Le Seigneur m'a fait cette grâce d'être quelqu'un qui est trop patient, j'ai un cœur qui n'est pas trop agité aussi, j'attends mon temps, c'est ça qui fait ma force aussi, c'est que je ne fais pas les choses parce que tel a fait. Je fais les choses parce que le Seigneur me convainc de le faire. Raison pour laquelle, quand je fais quelque chose, ça réussit.
quand je fais, ça réussit. Quand je fais, ça réussit. Pourquoi ça réussit? Parce que j'attends seulement que ce soit le moment où le Seigneur me demande de le faire. Mmh. Voilà. Alors, nos activités, nous avons plein de projets, comme la Bible déclare. Et dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Nous avons beaucoup de projets que nous soumettons à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons faire ça. Cause, comment vous trouvez? Non, laissez ça, faites ça. Seigneur, nous voulons faire ça. Comment vous trouvez? Non, faites ça. Et moi, je ferai ça. Seigneur, on sait que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on a tellement beaucoup de projets. Et ce qui est vrai, c'est qu'on est tellement sollicité. On est tellement sollicité. Et c'est toujours en dehors de cette ville. La plupart, en dehors de cette ville. Cette ville nous sollicite. Mais on est déjà avec un calendrier. Et quand les gens qui nous appellent par-ci, par-là, pour que nous puissions intervenir dans des conférences, dans des conventions, nous avons déjà des engagements. C'est comme maintenant là, nous sommes en train de préparer l'Est de notre pays. Donc on est déjà invité. Donc d'ici la semaine prochaine, nous allons nous envoler pour l'Est de notre pays. Et là, nous allons encore rester beaucoup. Nous avons des concerts au parking de Grand Hôtel. Là-bas, nous allons livrer des concerts et au-delà de la verdure à Kine. On est tellement sollicité. J'ai mon tournée, le tour du Canada. Donc je dois livrer beaucoup de concerts au Canada. Le Seigneur nous a fait grâce pour ne citer que ça. Donc le Seigneur nous fait grâce ces derniers temps. On est tellement sollicité. Mais par rapport à nos projets, nous sommes en train de travailler, même pour cette ville, à Lubumbashi, nous sommes en train de travailler pour que le Seigneur nous donne l'aval, pour que nous puissions livrer de moments forts, des intenses moments de louange et d'adoration, que nous puissions bénir aussi le peuple de Dieu de Lubumbashi. Voilà. Après Fanda Nayo, qu'est-ce qu'on peut espérer de nouveau du frère Arkan? Tinati. Tinati. Ah. Ça veut dire quoi? Toto Molanzambe Tinati. Voilà. C'est un nouveau chant qui est en train de venir. D'ailleurs, je signale qu'on a, on a fini les prises de batterie parce qu'on a fait le live. On a fini les prises de batterie, on a même entamé les prises de voix et tout ça, les prises de cœur. Donc on est déjà en train d'avancer et c'est un album qui portera 12 titres. L'album s'intitulera Fanda Nayo. Là, nous avons remixé Fanda Nayo. C'est Manaïm, le volume 2, mais avec comme sous-titre Fanda Nayo. On peut écouter même Fanda Nayo. Je sais que ça peut être un peu difficile de... comme ça on va terminer avec... Tinati soki boboya boboya ngakotombola nzamboyo tinati soki koyinda eyinda na sinye louange Jésus ti tokolembate tokolembate tokogumiza nzamba bamonte. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour cette chanson. C'est une chanson qui nous bénit déjà à Manaïm. Ça nous bénit beaucoup. Et je n'ai pas voulu entrer trop en mon judo. C'est un travail qui se prépare. Je laisse le temps que le peuple de Dieu puisse découvrir de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment des moments forts que nous allons louer le Seigneur. Ce sera des moments forts. Kiti Yabogo Jinayo Yeswe et le Kimakasi. Nanya kolombola yo motobo kaje Bamba kolombola mama bilenge deside ya kodombola kitoyo ya bokonzi ya ya yese kiti ya bokonzi na yo yese eleki makasi nanya kolombola yo motobo tayo te Bamba kolombola mama bilenge deside ya kodombola kitoyo ya bokonzi Ya ya fanda na yo, fanda na yo, umela seko na seko, nangwenda bokonzi. Ya fanda na yo, umela seko na seko. Ya ya Yesu bakangi ngete, Yesu bafuete na te, kasi na deside, na tombola ngwenda bosantu na yo. Ya ya bapeki sinate
yesu bachenga krakante kazina deside na tombola mwenda bo santu na yo yesu babeti na fimote yaya bachenga luayate kazina deside na tombola mwenda bo santu na yo en tout cas c'est ya 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 yesu yo ya ya. En tout cas, super. On va passer à la dernière étape de cette émission qui va faire beaucoup de plaisir à tous ceux-là qui nous regardent vraiment à l'instant sur cette télévision. Vous êtes nombreux en train de nous suivre hein, aux États-Unis, en France, à Lubumbashi. C'est vraiment super. La dernière rubrique de cette émission, c'est ce que disent les gens sur l'artiste. Okay. Nous allons prendre les questions. Voilà. Toutes les questions que moi j'ai posées sont mes propres questions. Okay. Les questions qui sont ici sont les questions des gens qui vous connaissent. Wow. Vous allez choisir une question parmi les trois questions. Wow. Vous choisissez une question et vous répondez, l'émission se clôture par là. Je prends le milieu. Ouais. Les autres, on peut... Waouh. C'est quoi ça? Ah, la question me dit, depuis que le frère Al Kambumba a raflé du succès avec son Fanda Nayo, il est devenu très exigeant et même orgueilleux. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup cette question. C'est vraiment une très belle question. Le frère Al Kambumba a toujours été exigeant depuis. Très exigeant. Ouais, j'ai toujours été exigeant. Par rapport à l'œuvre de Dieu, je n'aime pas faire les choses comme si, comme ça, non. J'aime que ça soit, on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est comme ça. Raison pour laquelle Dieu ne cessait de dire à Abraham qu'il sera avec lui, il a dit à Josué, je suis avec toi, il a dit à Moïse, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions le servir avec des doutes. Dieu veut que quand vous voulez marcher avec lui, que vous soyez sûr que vous êtes avec lui. Donc moi aussi, dans ma façon de faire les choses, c'est que j'aime pas qui est comme ci, comme ça, vous voyez. Et en même temps, c'est que le frère Alka n'est pas vraiment orgueilleux. Il n'est pas vraiment orgueilleux. C'est peut-être les impressions que vous avez parce que vous êtes vraiment loin. Vous êtes loin de moi et vous avez... Ce sont des gens qui vous connaissent. Ce oui. sont des gens qui sont plus proches, frère Alka. Ah bon? Ouais. Je ne crois pas que les gens qui sont plus proches de moi peuvent dire ça. Parce que les gens qui sont plus proches de moi, ils savent de quoi le frère Alka est. La raison est que, papa Roli, vous m'avez contacté hier la nuit. Aujourd'hui, je suis à l'émission. Ouais. Je pouvais facilement vous dire non, j'ai beaucoup de choses à faire. Ça, je vous rassure. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il fallait que je me rende ça et là. Et j'ai essayé de bouger tout mon programme et directement, je suis venu. Vous voyez, un orgueilleux ne peut pas faire ça. Un orgueilleux ne peut pas faire ça. Et quand je suis venu simplement. Un orgueilleux ne peut pas faire ça. Il y a beaucoup d'invitations que nous répondons facilement en nous venant. Et lorsque vous nous invitez à une manifestation qui ne cadre pas avec notre vision, on ne vient pas. On ne vient pas. Moi, je ne peux pas venir pour... je ne viens pas danser ou chanter pour un politicien, vous voyez. Moi, quand je vais, c'est pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas nous inviter pour un politicien et nous, on vient là-bas pour tomber la politicien. Assani, vous voyez. Alors, vous pouvez facilement nous traiter de tout ce que vous pensez, mais lorsque vos invitations ou vos appels ne cadrent pas à notre vision, nous ne venons pas, nous ne répondons pas. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de principe pour bien faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cet honneur que j'aime d'ailleurs cette question. Depuis qu'il a raflé du succès, au moins vous savez que le Seigneur nous a donné ce succès. Donc, c'est déjà... Ce sont des personnes qui vous connaissent. Oui, ils sont aussi reconnaissants que nous avons raflé ces succès. C'est même ça qui nous bénit, papa Daniel. Et donc, on n'est pas du tout comme ça. On n'est pas du tout comme ça, je vous rassure. Essayez de nous approcher, vous allez trouver. Cette œuvre, papa Roli, c'est là que Dieu est en train de c'est là que nos vies... Nous passons beaucoup de temps sur les montagnes, dans des prières, dans des sacrifices pour que le peuple de Dieu soit béni.
Et quand le peuple de Dieu est béni, nous n'allons pas aussi rester malheureux. En même temps, nous bénissons les gens, vous voyez. Ce n'est pas comme ça. Ce qui fait que cette œuvre est attachée directement à notre vie. Ce qui fait que chaque fois que vous avez besoin de nous, vous devez aussi penser à nous, question que nous puissions aussi continuer à vivre normalement pour vous servir encore ou servir le Seigneur, vous bénir, vous voyez. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission, frère Alka. Vous allez adresser un dernier message à tous ceux-là qui vous connaissent, tous ceux-là qui vous suivent un peu de partout. Ils nous suivent sur le net, ils nous suivent aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, je vous aime énormément. Vous qui nous portez à cœur aux États-Unis, en Allemagne, qu'on venait de dire de partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. On est là, on est en train de travailler, on n'est pas pressé de vous faire parvenir directement notre album. Nous laissons d'abord le temps à Fanda Nayo de bénir d'abord le peuple de Dieu pour ne pas vous embrouiller. Mais nous sommes déjà en train de travailler sur le prochain album qui sera une bénédiction pour beaucoup, alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et nous sommes aussi en train de prendre des contacts ça et là pour que cet album soit distribué dans les normes internationales, donc dans les normes d'un grand artiste. Et donc vous serez bénis et l'album va vous parvenir de partout. Et tout en vous rappelant que si vous n'avez pas encore liké ou abonné, ou si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le, c'est Alka Mbumba, c'est juste ça sur notre chaîne YouTube. Soyez, parce qu'il y a beaucoup de, il y a des images que nous avons eues en Afrique du Sud pour nos concerts en Afrique du Sud qui doivent venir. Il y a beaucoup de choses qui doivent venir. Priez pour nous, restez connectés à nous, et en fait, à notre chaîne, pour que vous soyez avertis ou vous soyez signalés au même moment que nous allons mettre ces histoires sur le net. Et nous sommes là et que le Seigneur vous bénisse. Voilà. En tout cas, tout le plaisir, très chers téléspectateurs, était le nôtre de vous avoir présenté cette émission. Nous disons merci au frère Lolo Moutima, le patron de Pactol Télévision, qui est avec nous. Merci à Daniel Kalimi, qui est à la réalisation. Rosette Munganga, merci à vous. On va se retrouver donc à la prochaine avec le même et réel plaisir.
Ogobe yawe, anisa yawe zaya moto te ou. Na komi kon comprendre mon. Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Les chrétiens posent des questions qui restent sans réponse. Parce que ceux qui ont la connaissance n'osent pas en parler. D'accord ou pas d'accord, pour ou contre, les uns diront oui, les autres non. Venez sur le plateau, dire tout haut ce que vous pensez, tout bas. Ne le gardez pas pour vous, osons en parler. Osons en parler pour lever plusieurs équivoques dans la vie des chrétiens. Dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti toku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence.